is a video artist himself. What I mean by intermedial work is his appropriating different genres as well as questioning their relationships in the work itself. This is clear from his earliest work in Cubor, in the dialogue between his poems and Suzanne Doppel's photographs. In his novel, his novels, Jumelles, for example, the narration is repeatedly bolstered by cosmogonic poems. As for his cinematic poems, they go beyond a visualization of the poetic text, of the kind inaugurated by Apollinaire's Calligraphe. For example, as you will see in a few minutes, in What Befalls Long Chaining, Alfieri appropriates footage of the actors' burlesque silent movies as a way of creating a new language, questioning the assumed distance between the actor's biography and his parts, and proposes a reflection on Baudelaire's aesthetics of the maquillage, the actor's makeup. Please join me in welcoming Pierre Alfieri. Thank you very much, Emel, and thank you everyone for attending. It's a pleasure for me to be for the first time here. And so I will, on Lionel's suggestion, first show this 12 minutes, I think, film called What Befalls Long Chaining, and I will try to dub it in English for those of you who don't understand French fluently. The only thing maybe I should say before starting is that, for those of you who don't speak or understand French, is that the first name of Long Chaining, Long, when it's pronounced in with a bad French accent, does sound a lot like the indefinite third person, long, that is one, right? So that his story is also, perhaps not yours, but I felt my story or someone else's or many others' story. Okay, so we should just check the, just check that the sound is loud enough. The only question. It doesn't start right away, so it's normal. Yeah. Long endure, long est mal. Long endures, long is born badly. 1883. Long naît à Oklahoma City. Long is born in Oklahoma City. Long est opéré par un chirurgien tranche les jambes au genou. L'on a des parents qui n'adressent pas un mot. L'on est mis au monde muet. L'on se tait jusqu'à la veille de sa mort. L'on mime pour une mère sourde, alitée, le peuple des villes. L'on invente un glossaire de rictus et de tics. Long fait l'acteur à 19 ans. Long becomes an actor at 19. Long chorégraphie des ballets. Long choreographs. Long est aimé d'une chanteuse de 16 ans. Long is loved by a 16-year-old singer. Long a un fils, Creighton. Long has a son, Creighton. Long forme avec femme et enfant. Long forms with wife and child a vagabond trio. Long quête dans les rues et les bars. Long begs in the streets and bars. En 1913,
1913. Lon trouve un emploi de malfrat à la Universal. Lon finds a job as a cook. Lon écrit deux films, en dirige Lon six, writes two films, en tourne 100. Six and shoots 100. Lon vole au gentil la vedette. Lon perfectionne la pantomime. Lon perfects. Lon exprime simultanément les extrêmes de la douleur et de l'hilarité, de la frayeur et du mépris, de l'amour et de la colère. Lon a des scènes avec Cliva, qui avale du poison et perd sa jolie voix. Lon saisit dans la filiation le lien et on peut enfiler les climax dramatiques, justifiant la surimpression sur son visage d'affect contraire. Lon perfectionne le maquillage. Lon perfects makeup. Lon décèle dans l'infirmité un don. Lon le handicap un avantage. Into talent, la paralysie une puissance. L'amputation. Paralysis into power. Amputation into hyperphysical. Lon recrée à l'écran la Saturnale du cirque. Lon recreates circus Saturnale. La grenouille contrefaite simulatrice. Lon calls himself the simulated counterfeit frog. Le méphitique Mr. Lon plays le hunchback, le lay, le méphitique pour d'insignifiants directeurs de la trempe de Robert Julian. Lon bondit sur la table, court sur ses moignons et se suspend aux nattes des petites mains qui cousent au noir en chambre. Lon s'invente un jumeau vert qui pille les bandes et suce le sang des londoniens l'après-midi. Lon embrasse Chicago. And sucks the blood of Londoners after Lon conçoit et construit Lon Chicago en masque, postiche. Lon conceives and constructs Lon triomphe en athlète contrefait, artiste de la faim et monstre universel. Turn hunger artist and universal Lon abrège Alonso, nom de l'enfant de Lon, qui fera un loup-garou piètre. Lon squatte les catacombes de l'Opéra de Paris. Lon souffre le martyr, comme souffrira le scoliotique Boris Karloff. Lon porte sa mise en scène sur les épaules. His own staging on his shoulders. Il dit que tout art est maquillage et pantomime. All art is makeup and pantomime. Lon balaye d'un revers de prothèse la base psychologique future des acteurs à méthode. Lon est le premier homme qui est un corps. Lon is the first man. Lon peut tout ce que peut un corps impropre. Lon can do everything. 1930. Avec l'ancien acteur anonyme de la troupe Biographe, dirigée par D.W. Griffith. Lon tourne avec Todd Browning 10 longs métrages, dont 8 en collaboration. Lon devient macro, braconneur, esclavagiste, prêtre, gangster, lanceur de couteaux par les pieds. Lon réalise pour Todd Browning le rêve de la mise en scène et son cauchemar. Lon sait qu'un monstre la contient toute. Lon profite du récent Star System. Lon devient tout puissant.
1925, Long lit dans la morphologie du conte, le conte de sa morphologie. Morphology of the tale, the tale on ne veut pas savoir d'où quel désastre vient, vers quelle dislocation vont ses corps et faces dislocations. Long invente une matrice de scénarios en arbre, dont tranche chaque avec une part de soi. Where he slices into each Long se présente, châtré par ses parents, trompé par sa fiancée, doublé par son allié, cheated by his notably insane company. Long a une fille splendide et vertueuse, parvenue. Long se dit démanchant, mutilé par sa femme, arraché à sa fille, renié par son chef-d'œuvre, privé de sa revanche. Ripped from his daughter, Long fuit, ripped off his masterpiece, à l'ouest de Zanzibar, à l'est de l'est. Long escapes towards Mandalay, Long trafique et chasse le tigre. East of the east. Long smuggles and hunts tigers. Long s'affirme polymorphe plus que pervers et masochiste Long plus que satisfait, consentant plus que vengeur, bisexuel plus qu'inverti, masochiste plus que coïteur, passif au-delà de la passivité. Bisexual rather than inverted, on avale les voyeurs qui l'annoncent et le feu qui l'allume. Long se couvre de cicatrices, carton, sous-titres, tatoué à même la petite peau. From where he was cut. Long s'écorche, mute, ému. Long swallows the daggers. Long repousse immortel par où il fut taillé. Long est soi-même ôté. Long est heureux. Long laisse 43 films sur 150. Long s'entend pour la première fois dans le remake parlant d'un film où la vendeuse de perroquets est un ventriloque voleur de bijoux. Long émet 5 voix différentes. Long emits 5 different voices. Long a une hémorragie du larynx. Long has a bleeding larynx. Long est invulnérable sauf à l'ajout du pellicule. Long is vulnerable only to the adding of a film. Long rédige l'article maquillage de l'Encyclopédia Britannica. In the Encyclopedia Britannica. Long succombe à une infection due à l'excès de phare. Long succombs to an infection due to excess of makeup. Just two poems from a collection, a poetry book that is actually a little more than 10 years old in French, but that just came out in English in a translation by Kate Campbell. And the title was completely changed. In French, it's called Sentimentale Journée, which sounds like a bad appropriation of an English title. And in English, we chose to call it Night and Day. So I will start with the translation, so in case some of you don't understand French, you can sort of get an idea of what it's about. So these poems are a little like conversation pieces, and each of them has a little summary in the beginning, a little excerpt actually, taken from the text. So pretending to give a summary of the narrative, if it was a narrative, but it's not a narrative. It's, you know, like some I guess 18th century novels sometimes have long titles for each chapter in which
the plot was supposed to be summarized, something like that. So the summary for this one, entitled Don't Cut the Line, goes like this. It's wonderful not to know where things come from. Hidden sequences are finer. There are intrigues in the midst of which you forget the beginning, no longer anticipate the end. For another moment or so, everything is penetrable. It begins like that, in the middle of a conversation. The market has already blossomed in the burning hot square, the budding phase, and to call this town Venice, it was necessary to camouflage the infrastructure, to place forks knowingly, spillikins over the orchestra pit. The merchandise brought in by convoys without headlights, silently at night, rivals nature. Give us our money back. Yet it's wonderful not to know where things come from, not even children. And when ethnologists pose as missionaries of family planning to laugh with the savages. Hidden sequences are finer. If you grasp them, lift them by the neck like poisonous snakes, sticks entwined, many sentences are compatible. Their jaws open so wide beneath the pressure of your fingers, if necessary, another tube slots in, and all the plumbing gets going with liquid joints. What is it that gives this morning, with its well-punctuated accidents of the market, the café, the return to the darkroom, the cohesion of a film? Not the music stuck on top, redundant, the shame of cinema. No, a prosody, improvised perhaps, which doubles back on itself nonchalantly. Impossible to tear it away from its pretext. It will pollute the air, the film alone remaining on walls and skin. Molded brass, a link between two movements, hidden between two currents. That's how it begins when the journey is underway. That's pretty much what I mean. But it makes no sense, my poor friend. Fine. There are intrigues in the midst of which you forget the beginning, no longer anticipate the end. Gangsters on the run place themselves like paper sumo wrestlers on a cardboard platform, but it's just a circle traced in the sand on the beach. So their associates beat the ground with the flats of their hands. They fall still rigid, the reel turns faster, the spectators tremble in their seats, only one of them crosses the line. Fine art. What could you do today that would be better than to raise the miniature to the real size of the game? Minuscule fragments stretch themselves out. The breakdown vehicle here to save us is held together with rubber bands. That happened for no reason at all on our journey towards death. The tardy explorer in mid-descent of the Orinoco or the Amazon develops a fever, paralyzed. He watches the sliding of an interminable snake. The mouth seems as distant as the source. Or, sitting in the middle of a tree trunk, look, he remarks that it's a crocodile. Such things happen in life, halfway through, in the ambiguous zone where, for another moment or so, everything remains amorphous, penetrable. Or so would you like to believe. Anonymous well-wishers make sure ends meet, fill the stalls' empty boxes, but we must hope that when night comes, the dildos will adapt to the universal harness. That's how it begins. That's how I understand it, provided that no conductor decides to tap the rostrum with his stick and that no date is fixed. Ne coupez pas. C'est beau de ne pas savoir d'où viennent les choses. Les enchaînements secrets sont plus fins. Il est des intrigues au milieu desquelles on oublie le début, n'attend plus la fin. Quelques instants encore, tout peut tout pénétrer.
Ça commence comme ça, au milieu d'une conversation. Le marché a déjà fleuri sur la place brûlant l'étape des bourgeons. Et pour appeler cette ville Venise, il a fallu bien camoufler l'infrastructure, placer savamment des branchages Mikado sur la fosse d'orchestre. Les marchandises acheminées par des convois sans phare, silencieusement, la nuit, rivalisent avec la nature. Remboursés. Cependant, c'est beau de ne pas savoir d'où viennent les choses, ni les enfants. Et quand les ethnologues se prennent pour des missionnaires du planning familial, de bouffer avec les sauvages. Les enchaînements secrets sont plus fins. Si tu les saisis, les soulèves, par le cou, comme les serpents venimeux, les baguettes enchevêtrées, beaucoup de phrases sont compatibles. Leur gueule, sous la pression des doigts, s'ouvre incroyablement, si nécessaire. Un autre tube s'encastre et toute la plomberie s'installe avec des joints liquides. Qu'est-ce qui donne, ce matin, aux accidents bien ponctués du marché, du café, du retour à la chambre noire, la cohésion d'un film ? Pas la musique, plaquée si redondante, qui est la honte du cinéma. Une prosodie, plutôt, improvisée, qui fait aussi retour sur soi nonchalamment. Impossible de l'arracher à son prétexte, elle va polluer l'air. Seul reste le fil sur les murs et la peau. Brasse coulée, un maillon entre deux mouvements, entre deux eaux cachées. C'est comme ça que cela commence, en cours de route. C'est plutôt ça que je dis. Mais on n'y comprend rien, mon pauvre ami. Bon, il est des intrigues au milieu desquelles on oublie le début, n'attend plus la fin. Les gangsters en cavale se mettent en position de sous-motorie de papier sur une estrade en carton, mais c'est un simple cercle tracé sur le sable de la plage. Alors, les acolytes frappent le sol de leurs paumes. Eux, ils s'ébranlent, toujours figés, la bobine accélère, les spectateurs sur leur siège tremblent, jusqu'à ce que l'un d'eux transgresse la ligne. Du grand art. Que peux-tu faire de mieux aujourd'hui que d'élever à la grandeur naturelle d'un jeu sa copie miniature? De minuscules fragments s'étirent, le véhicule qui nous dépanne tient par des élastiques. Cela eut lieu, sans queue ni tête, au milieu du chemin de notre mort. L'explorateur tardif, en pleine descente de l'Orénoque ou l'Amazone, est pris de fièvre. Il voit paralysé glisser un interminable serpent. L'embouchure lui paraît aussi lointaine que la source. Ou, assis au milieu d'un tronc d'arbre, tiens, il note que c'est un crocodile. De telles choses arrivent dans la vie, à mi-course, dans la zone indécise, où pour quelques instants encore, tout peut tout pénétrer. Du moins veut-on le croire. D'anonymes bienfaiteurs assurent la soudure, remplissent les cases vides des étals, mais il faut espérer que la nuit venue, les godemichés s'adapteront sur le harnais universel. C'est comme ça que cela commence, comme ça que je l'entends, pourvu qu'un chef ne s'avise pas de tapoter le pupitre de sa baguette et que l'on n'arrête aucune date. And finally, another one of the same collection, called A Defense of Poetry. So the little summary says, that happens here, between the acute sensation and the latent feeling. Entering, you trouble the old game of both soul and landscape. So I really need you to advance. What joy to see you walking over my territory, exchanging a few insignificant words in passing with the garden gnomes. Human figures had become silent in the constructed part of the domain. On the boundary, an aged man barely held anyone's attention as he cut the end off a banana bearing a barcode with a Swiss penknife. Yes, from the first sensation, the visible side announces the color, the code of the day, the nature of its link with what's hidden. That happens here, not in the unsaid, but between the views of the moment, of the area, all completely accurate, and what they cover up is what must be said.
A hydraulic jack supports the gallery. I lean on it. I test its resistance on each line. Each line measures the distance between the decor, the record setup, and its shadow inventory you lay down in writing. Between the acute sensation and the latent feeling, enters between. But this capricious proportion that rules. But this capricious proportion that rules my unhealthy flow, rhythms it, gets it going, had frozen in the usual places. A whole area won over by the desert and its cold nights and its mad wind that no one listens to expecting to get away with it. The same setup, the gaze of regulars who avoid each other, preferring to hand back the change of words in profile. Walls and floor polished darkly by daydreams, for daydreams, sketches rehearsed a thousand times before an audience of chairs. Entering, you trouble the old game between soul and landscape. The air you displace when you walk has re-swollen the card figures that belong here. That leaves us with quite a lot of images, doesn't it? What was last night's TV drama about? I didn't even get if it was a docudrama or something else. Yes, everything's getting muddled up this morning. Unequal doses of sun, passers-by, cars, cement, that nothing links except the analogy whose logic vanishes into the next vision. I hope at least that when sewing them together, you understand more clearly what they're hiding in your poor little head. In two words, I call it the sentimental. So I really need you, if I'm to advance, from one comparison to the other, ironically, naively, in this indirect light, this reality that quotes itself and moves away. Because behind it, far behind, realism and imagination stand around in a mortal document. That's all? That's all. I've said too much. It's your fault. Now, let's change terrace. Let's look for silence, but outside. Une défense de la poésie. Cela se passe ici, entre la sensation aiguë et le sentiment latent. Entrant, tu as troublé le vieux jeu de l'âme et du paysage. Alors j'ai bien besoin de toi pour avancer. Quel bonheur te voir surmarcher mon territoire, échanger quelques mots insignifiants de passe avec les nains du jardin. Les figures humaines s'étaient tues dans la partie construite du domaine. À la frontière, à peine un vieillard retenait-il l'attention en tranchant la queue d'une banane affublée d'un code-barre avec un couteau suisse. Oui, dès la première sensation, la face visible annonce la couleur, le code du jour, la nature de son lien avec la cachée. Cela se passe ici, non pas dans le non-dit, mais entre les vues du moment du quartier tout à fait fidèle et ce qu'elle couvre, il faut dire. Un vérin hydraulique soutient la galerie. Je m'y appuie, j'éprouve sa résistance à chaque ligne. Chaque ligne mesure la distance entre le décor, constat que l'on dresse, et son ombre, inventaire que l'on couche par écrit. Entre la sensation aiguë et le sentiment latent, entre. Or, cette proportion capricieuse qui règle mon débit maladif, le rythme, le débit, avait gelé dans les lieux familiers. Tout un pan gagné par le désert et ses nuits froides et son vent fou que nul n'écoute impunément. Le même manège, regard d'habitué qui s'évite, préfère se rendre la monnaie des paroles de profil, murs et chaussées lustrés par la rêverie, pour la rêverie, sketch mille fois répété devant une assemblée de chaises. Entrant, tu as troublé le vieux jeu de l'âme et du paysage. L'air que tu déplaces en marchant a regonflé les figures de cartes d'ici. Cela nous fait un peu beaucoup d'images, non?
De quoi parlait le téléfilm hier soir? Même pas compris si c'était un docudrama, quoi. Oui, tout se mêle ce matin. Plutôt se juxtapose. Une vue, clap, une autre. Dosage inégaux de soleil, passant, voiture, ciment, que rien ne lie, sinon l'analogie dont la raison fuit dans la vue suivante. Au moins, j'espère qu'en l'épousant, tu cernes un peu mieux ce qu'elle couvre dans ta pauvre petite tête. En deux mots, j'appelle ça le sentimental. Alors, j'ai bien besoin de toi pour avancer, d'une comparaison à l'autre, ironiquement, naïvement, dans cette lumière indirecte, cette réalité qui se cite elle-même et se distance. Car derrière elle, loin derrière, le réalisme et l'imagination piétinent dans un mortel docudrama. C'est tout? C'est tout. J'ai trop parlé. C'est de ta faute. Maintenant, changeons de terrasse. Cherchons du silence, mais dehors. Alors, je pense que, évidemment, il y a certainement des questions. Est-ce que vous parlez en anglais ou... En français. En français, oui, on va parler en français, parce qu'il y a beaucoup de francophones. Donc, je pense qu'il y a certainement des questions, que ce soit sur le film, sur le film consacré à Long Chaney, ou bien sur les poèmes. Hein, je pense d'ailleurs que j'avais distribué ces poèmes. Avaient scanné, donc beaucoup ont pu les lire à l'avance. Je suis certain qu'il y a des questions quand on va commencer peut-être par le film. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le film? Alors, peut-être que tu pourrais nous dire, bon, moi je l'ai vu plusieurs fois, donc tu pourrais nous parler déjà de ton intérêt pour le film muet. Parce que tu es critique, oui. Tu es critique de cinéma aussi. Mm-hmm. Tu as publié tout un livre consacré justement à des films d'ailleurs qui sont souvent peu connus. Hein. Et moi personnellement, en regardant ce film, j'ai redécouvert donc, et peut-être que le public américain a redécouvert cet acteur américain de l'époque du muet, qui était extrêmement connu. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton travail de critique, ton intérêt pour le cinéma, et en quoi il informe ta poésie, par exemple? Oui, bah alors ça fait beaucoup de questions d'un coup. Oui. Pour ce qui est du cinéma muet, mais en l'abordant par le cinéma muet, je pense que c'est le mieux, parce que ce qu'on appelle le cinéma muet aujourd'hui, en réalité, n'a jamais été muet. Les films d'avant le parlant, donc d'avant 1930-31, était toujours accompagné de musique et très souvent aussi d'un bonimenteur, de quelqu'un qui parlait et qui parlait pour le film, c'est-à-dire qu'il lisait les sous-titres, les cartons, et souvent même il expliquait l'action, parce qu'au début du cinéma, dans les années 10 et 20, les gens n'étaient pas très habitués au montage, par exemple. Et donc il n'était pas évident toujours de suivre, de reconnaître les personnages, de suivre l'action. Il y avait quelqu'un qui accompagnait les films et qui expliquait l'action. Or ça, ce dispositif m'en intéresse beaucoup parce que aujourd'hui, j'ai essayé, depuis une dizaine d'années, j'ai essayé de l'adapter, de le reproduire d'une certaine façon, en parlant sur les films et en travaillant avec un musicien qui faisait de la musique live sur les films. Donc on a reproduit un petit peu de façon artisanale le dispositif du film muet, avec une bande d'image qui est fixe, mais une musique et un texte qui sont peu souples. Peuvent s'adapter comme un jeu avec un musicien. Et ça m'intéressait de le faire précisément parce que le cinéma est très important pour moi, et notamment j'avais écrit à la fin des années 90 un roman où toute l'histoire, qui était en fait une espèce de récit d'enfance, était vue à travers le filtre d'un film célèbre qui s'appelle The Night of the Hunter, que vous connaissez peut-être, avec Robert Mitchum. Et donc, quand le livre est sorti et qu'on m'a proposé de faire des lectures, je me suis dit qu'il est beaucoup plus logique, finalement, de lire sur les images du film, puisque c'était la situation fictive du livre lui-même, quelqu'un qui parle en revoyant des images dont il se souvient. Donc, ce ne sont pas des images qui sont magnifiées, qui sont dans leur état de beauté et de pureté originelle, ce sont des images qui sont recopiées, un peu abîmées, comme celle-là,
ralentis, remontés, qui sont plutôt des souvenirs d'images, en fait, des images souvenirs, sur lesquelles j'ai travaillé pour faire des lectures qui elles-mêmes étaient accompagnées par un musicien qui reprenait des éléments de la bande-son, des éléments des chansons du film. Donc on recréait une espèce de lecture rétrospective et subjective du film. Après quoi, ça m'a donné envie de faire d'autres expériences de ce genre. Donc j'ai fait des films de montage, comme celui-là. Alors ça, c'est ce que j'appelais des films parlants. Parce que je me suis aperçu qu'au début du parlant, donc talkies, on ne disait pas un film parlant, on disait un film parlant français, un film parlant anglais. Comme si le film lui-même parlait. Et j'ai beaucoup aimé cette idée, que c'est le film qui parle, parce que finalement, ce n'est pas tellement les personnages qui parlent, même si c'est l'illusion qu'on a, mais c'est avant tout l'image elle-même qui parle. Et donc j'ai fait 7 ou 8 films comme ça, qui sont à partir d'images de films existants, une espèce d'appropriation, disons, du film, où soit ma voix est par-dessus en voix voice-over, comme on dit, soit des sous-titres ajoutés, qui n'ont rien à voir avec les sous-titres d'origine, écrits sur le film. Et puis par ailleurs, je fais aussi des films où il n'y a que du texte. Alors ça, c'est autre chose. Ça s'appelle les ciné-poèmes, ce sont des films où, en fait, c'est seulement le texte lui-même qui est animé. Voilà. Alors, le rapport avec la poésie... Alors, peut-être déjà, pourquoi cet intérêt pour cet acteur du... Ah, bon, cet acteur Longchenet. Américain. Ah, ben oui, alors ça, Longchenet, c'est un peu mon héros. C'est quelqu'un avec qui je suis un vrai fan de Longchenet. C'est vraiment fan de base. C'est-à-dire, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses films. Il me fascine comme acteur et comme personnage. Si vous ne le connaissez pas, c'était un acteur qui s'est rendu célèbre parce qu'il était capable de se transformer physiquement d'un film à l'autre, mais beaucoup plus que les method actors comme Robert De Niro. C'était beaucoup plus spectaculaire que ça. C'est-à-dire qu'il jouait surtout des infirmes, des amputés, un homme sans bras, un homme sans jambes, des monstres, le fantôme de l'opéra, des hommes animaux, des monstres, hein, quasiment des monstres. Au point que c'était presque une espèce de défi pour lui de ne pas être reconnu d'un film à l'autre. Parce que je te racontais l'autre jour, on disait à l'époque, il a été extrêmement célèbre, hein, c'était une des grandes stars du muet, un peu oublié aujourd'hui. On disait à l'époque, à Hollywood, si vous voyez une araignée par terre, ne l'écrasez pas, c'est peut-être Longchenet. Donc c'est un acteur très prodigieux, très, très extraordinaire. Alors pourquoi il me fascine ? D'abord autour de la monstruosité, moi j'ai beaucoup rêvassé autour des monstres, hein, des handicaps physiques qui sont souvent d'ailleurs compensés par un surcroît de puissance. C'est un topos très classique dans la littérature populaire, que les personnes à qui il manque quelque chose compensent ça par une puissance supplémentaire. Par exemple. C'est tout à fait le cas de Longchenet qui en général est à la fois infirme et... une espèce de surhomme, surpuissant. Alors ce topos-là m'a beaucoup intéressé, et puis aussi par le fait que, d'une certaine façon, il incarne, il contient le cinéma tout entier, parce que son corps lui-même est déjà une mise en scène, il porte sur les épaules, en quelque sorte, toute une mise en scène qu'il a déjà préparée, qui fait que pour un réalisateur, c'est à la fois le rêve et une espèce de cauchemar, parce que c'est un peu comme de tourner avec un animal ou un enfant, il attire tellement la caméra déjà qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, il est le film. C'est l'acteur qu'on voit en clown, c'est ça, hein? Voilà, là il joue un clown. Alors, ce film-là est un très beau film, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu, qui s'appelle donc « He Who Gets Slapped ». C'est un film tout à fait extraordinaire, tourné par un Suédois, un grand metteur en scène suédois du muet qui s'appelle Victor Sjöström, qui a fait une partie de sa carrière à Hollywood, où il a tourné notamment ce film. Alors dans le film tel que je l'ai remonté, j'ai mêlé, comme tu l'as dit, des éléments de sa biographie et des éléments des personnages qu'il a incarnés au cours de sa carrière. Donc c'est une espèce de monstre aussi, cette biographie. Enfin, c'est une biographie avec des appendices. Voilà, donc le travail poétique, il y aura sur le site du Centre francophone la vidéo que nous venons de voir, mais je vous encourage à écouter. Justement, il y a quelque chose de troublant, c'est qu'il y a un montage de faits biographiques sur cet acteur, et en même temps, des éléments de fiction des personnages qu'il a joués. D'où un trouble de la part de l'auditeur, puisque
il est question de jambes amputées, il est question de choses un peu bizarres, on va dire gore, n'est-ce pas? Tout à fait. Et en fait, ce sont des éléments de la fiction que le personnage, que l'acteur a joué. Et donc, c'est une réflexion sur la fiction et la réalité, sur le jeu, et aussi, évidemment, je pense que c'est en référence à Baudelaire aussi, la question du bouffon, puisque la question du poète aussi qui se met en scène. Hein, et Baudelaire avait l'impression que le poète était un peu comme un personnage public qui s'exposait. Et là, je pense qu'il y a un peu, à travers ce personnage, il y a une réflexion sur ça. D'autant qu'aujourd'hui, les poètes contemporains font souvent des lectures, hein, et donc ils s'exposent. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus et moins qu'un corps, quoi. Il est plus et moins que son propre corps. Donc il incarne aussi plus que lui-même. Il incarne toutes sortes de possibilités imaginaires, pulsionnelles, de cauchemars, de sexualité bizarre aussi, parce que dans tous ses films, il a une relation très étrange en général avec les femmes, à la fois de fascination, de masochisme, qui est très maltraité en général, comme les clowns, justement. Et dans ce qu'il subit, il y a une espèce de jouissance perverse, très étrange, dans beaucoup de ses rôles, où il est la victime de femmes méchantes, d'hommes qui l'utilisent, qui le trahissent, et en même temps, il trouve une espèce d'extase dans sa propre déchéance. Donc c'est un personnage, excessif par tous les côtés, et qui dépasse les oppositions classiques, disons, binaires, entre la force et la faiblesse, l'activité, la passivité, voire entre les genres sexuels aussi, les rôles sexuels. Et c'est aussi ce film, ce montage, tel que tu l'as monté, puisque le travail poétique consiste à monter et remonter les images, et aussi à lire, hein, donc il y a le travail d'écriture et à lire sur le film, c'est un peu aussi une réflexion sur le spectacle, la cruauté du spectacle. Tout à fait. Hein, puisqu'on voit bien, le personnage du clown qui est bâillonné, qui est torturé. Absolument. Et il est sacrificiel, en fait. C'est un personnage qui se sacrifie pour le spectacle. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de la télé française qui ne s'améliore pas et de la télé-réalité. C'est presque une sorte de réflexion sur la télé-réalité où des gens s'humilient en direct. Exactement. Donc là, vous l'avez compris, peut-être d'après la séquence, dans ce film, après avoir subi toutes sortes d'histoires complètement abracadabrantes, absolument invraisemblables, je vous la raconte en deux mots, il travaille dans un laboratoire avec un chercheur qui cherche l'origine du monde, dans un laboratoire, et il trouve lui-même, Lon Chaney, l'origine du monde. Alors il apporte sa découverte à son maître, et son maître est ravi, mais il lui vole la découverte, se l'approprie, va communiquer dans les sa vente, et en plus ça, la femme de Lon Chaney le quitte pour le maître parce que c'est lui qui est célèbre grâce à ça, il est abandonné, rejeté et complètement désespéré. Alors, on lui a volé et sa femme et sa découverte. Alors il commence une deuxième vie, c'est là où le film devient important, et il devient clown et il monte un numéro qui s'appelle He Who Gets Slapped, qui est le numéro qu'on voit ici et qui consiste à se faire gifler par toute la troupe tous les soirs devant le public. Il se fait gifler par 200 personnes tous les soirs, et le public exulte, on le voit, c'est la cruauté, et aux anges, enfin, devant ce sacrifice, et voilà. Donc c'est une histoire elle-même tout à fait symbolique et extravagante. Alors, question Yolaine? Oui, est-ce que vous pourriez parler du rôle du poète et du lecteur en ce qui concerne la coupure? Vous parlez beaucoup de coupure et couture. Oui. Bon, là, c'est vous qui coupez. Oui. Qui rassemblez des morceaux, qui assemblez. Alors, qui fait quoi? Comment est-ce que ça fonctionne pour vous? Je ne sais pas si je pourrais vous répondre de façon complètement générale, mais il est certain que pour moi, la poésie, avant d'être un genre littéraire à proprement parler, c'est quelque chose qui se définit par le fait que les phrases ne vont pas jusqu'au bout à la ligne, comme en prose, hein, et qu'elles sont coupées. Et que peut-être la seule marque spécifique de la poésie aujourd'hui, où les règles métriques ont disparu, enfin, ne sont pas disparues, mais ils ont se passé au second plan, les règles de comptage des syllabes en français, par exemple, et de mètres dans d'autres langues, le seul signe spécifiquement poétique,
c'est la coupure et l'enjambement. La coupe du vers et l'enjambement. Le fait qu'une phrase puisse s'arrêter et ne s'arrête pas parce qu'elle est finie ou parce qu'il y a une raison logique ou grammaticale pour qu'elle s'arrête, mais strictement pour une raison qui peut être totalement arbitraire ou qui peut être sonore. Donc on peut, il y a des poètes qui font ça très bien, on peut couper une phrase entre l'adjectif et le nom, entre même l'article et le nom. Et c'est le signe par excellence de la poésie, ça, le fait de couper. Et c'est ça qui m'attire là-dedans, c'est que c'est un instrument de, d'analyse au sens propre du terme, c'est-à-dire analyser, ça veut dire séparer, d'analyse de la phrase, où on l'analyse pas pour des... Encore une fois, pas pour y rechercher une construction logique, mais pour y trouver un rythme, ou des pauses rythmiques, une scansion rythmique. Du coup, ça n'est pas un hasard si au XXe siècle, beaucoup des pratiques artistiques, langagières, mais aussi dans le domaine de l'image, ont tourné autour du collage. Parce que dans le collage, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une coupure. On voit que c'est discontinu, que c'est des éléments différents qui ont été assemblés. Alors on peut pratiquer le collage en effaçant la coupure, mais on continue quand même de la savoir inconsciemment, comme Ernst, par exemple. Les collages Ernst, il efface les coupures. Mais les collages Dadaïs, au contraire, on montre bien les coupures pour montrer l'hétérogénéité des éléments. Et dans la poésie aussi, il y a eu beaucoup, depuis, disons, l'après-guerre, de pratiques qui consistaient à prélever des morceaux quasiment tels quels, soit dans la littérature, soit au contraire, dans des domaines qui ne sont pas du tout littéraires, journalisme, littérature scientifique, de pédagogie ou de vieillerie, des choses démodées, et à les assembler de telle sorte qu'un nouveau texte naisse, qu'on appelle le cut-up. Donc tout ça est important pour moi parce que ça permet tous les assemblages et toutes les discontinuités. Et donc le travail sur la continuité et la discontinuité, jusqu'à quel point on sent qu'une chose est discontinue, ou on a l'impression qu'elle est continue, c'est peut-être un des trucs les plus stimulants pour moi. C'est-à-dire que souvent j'écris comme si c'était du cut-up, même si c'est pas du cut-up. C'est-à-dire, j'aime bien l'impression qu'on puisse se dire « Ah mais c'est des choses différentes qui ont été assemblées. La continuité n'est pas logique, ou bien elle n'est pas assurée. Il y a un doute. Est-ce que ces choses-là sont faites pour être reliées ensemble ou pas reliées ensemble ?» Parce que d'une certaine façon, ça fait écho à une esthétique, je dirais, en déséquilibre entre la cohérence et l'éclatement. Quoi. On peut jouer sur tous les degrés de continuité, discontinuité, et d'articulation, de désarticulation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors, c'est ce qu'on disait ce matin dans la classe de philosophie qu'on a visitée. Pierre Alfieri, au départ, est un philosophe qui a travaillé sur Guillaume d'Occam, qui a fait son doctorat à l'École normale supérieure, qui était vraiment dans le discours argumentatif. Et tu as expliqué que tu as choisi la poésie comme un autre mode d'expression. Hein. Donc ce n'est plus la dissertation philosophique, argumentative, rationnelle, en trois parties, trois sous-parties. C'est effectivement une autre manière de s'exprimer par la disjonction, par le cut-up. Alors, évidemment, on est loin de la poésie traditionnelle, hein, la poésie qui, au contraire, raccorde des rimes hein, d'un vers à l'autre. Qu'est-ce que tu attends du lecteur ? Est-ce que le lecteur doit, lire presque chaque phrase l'une après l'autre ou entendre quelque chose, ou est-ce que tu attends que justement le lecteur il fasse des connexions, parce que évidemment c'est une poésie aussi qui se pense, c'est-à-dire il y a un commentaire dans un des poèmes où il est question de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc tu poses la question du sens, elle est déjà posée à l'intérieur du vers, mais comment tu envisages la lecture lecteur de tes textes. À vrai dire, au départ, quand je commençais à écrire, à publier, ce qui dominait dans le champ poétique, à juste titre, hein, c'était des pratiques très discontinues. Hein, c'est
ce qu'aux États-Unis on appelle les language poets, qui sont maintenant des gens qui ont une soixantaine d'années, disons, hein. Et en France, c'était ce qui sortait, disons, de la traduction textuelle de tel quel, de TXT, etc., où on mettait violemment en évidence le fait qu'il n'y avait pas de cohérence donnée au départ, que le sens n'était pas quelque chose qui se donnait simplement, que la discontinuité, l'hétérogénéité du réel lui-même et des discours et des niveaux de discours devaient être montrés tels quels, hein, d'une certaine façon. Et donc on accentuait la coupure, la discontinuité, les phrases qui s'interrompaient, l'hétérogénéité, etc. Donc pour moi et d'autres de ma génération, l'enjeu a été plutôt inverse, c'est-à-dire était plutôt d'essayer de recréer de nouvelles continuités, d'essayer de créer du flux, par exemple, de la vitesse, parce qu'évidemment, plus on coupe et plus on ralentit la lecture. Donc, créer de l'entraînement, du mouvement, donc un entraînement rythmique, chose qui était interdite pour la génération précédente, parce que c'était associé à la vieillerie poétique. Au contraire, moi, j'ai essayé plutôt d'aller dans ce sens, c'est-à-dire d'essayer de produire une impression de flux et de continuité pour pouvoir charrier des choses extrêmement diverses, hein, mais avec un élan premier, disons, qui ensuite, quand on est pris dedans, si on est pris dedans, n'empêche pas de s'arrêter, de changer de vitesse et de sentir qu'on passe sur des chaos, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on peut aller vite et en même temps on est secoué. Donc moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'essaye d'aller. Et si j'attends quelque chose du lecteur, moi, j'attends rien du lecteur. Hein. Le lecteur, il fait ce qu'il veut, la lectrice, c'est son affaire. Enfin, je n'ai pas à demander quoi que ce soit au lecteur ou à la lectrice. Mais j'essaye, en tout cas, de proposer du mouvement. Et donc, de la fluidité et de la continuité, plutôt. Et ensuite, chacun... fait ce qu'il veut avec sa vitesse, son rythme, et peut s'arrêter, zoomer, s'interrompre, se dire ça n'a pas de sens, c'est incohérent, ou au contraire, cultiver l'illusion de la continuité du sens, ce qui me va très bien aussi, parce que c'est aussi comme ça que je fonctionne. J'ai aussi besoin d'avoir cette illusion, un peu comme l'illusion narrative, hein, quand on regarde un film et qu'on y croit, j'ai besoin aussi d'une espèce de, comment dire, suspension of disbelief, disait Coleridge, hein, où on croit que bah, c'est un discours continu et ça a du sens, il faut un minimum de ça, quoi. Il faut y croire un petit peu pour commencer à lire, sinon on s'arrête tout de suite, ça retombe des mains. Donc j'ai besoin de cette illusion, et puis une fois que le mouvement est engagé, tout le jeu est de négocier avec ce mouvement pour que ce soit quand même riche, complexe, et que le sens ne soit pas univoque, que le sens ne soit pas donné et livré tel quel, parce que pour moi, il ne l'est pas, de toute façon, il ne le sera jamais. Alors, dans le même sens, puisque tu as écrit beaucoup de romans, mm-hmm. est-ce qu'il y a une discontinuité entre la pratique poétique et la pratique du romancier ? A priori, beaucoup, mais de plus en plus, moi, j'essaye d'écrire des récits. C'est des espèces de pièges, en fait. J'essaye de faire des pièges dans les récits, où on rentre dans le récit, on y croit, et puis je fais passer de la poésie en douce dedans. Je cache la poésie dedans, je mets des poèmes, mais on a déjà lu 20 pages, alors on se dit, bon, ça va continuer, c'est une histoire. Donc, on s'oblige à rentrer dans un autre rythme et à en ressortir. Enfin, j'essaye. Hein, c'est la poésie en contrebande. Exactement, la poésie en contrebande. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le roman du 19e siècle, qui se pratique encore aujourd'hui, c'est-à-dire la pure convention narrative, avec tout ce que ça suppose de conventions, de stéréotypes et finalement de bêtises, quoi, ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai envie de faire des romans qui soient pas vraiment des romans, enfin qui soient aussi autre chose, mais aussi parce que la poésie toute seule dans des livres comme ça, ce que j'ai beaucoup pratiqué, il y a quelque chose qui me frustre. C'est qu'il y a aussi, ça suppose un contrat dans lequel finalement je ne crois pas. C'est-à-dire, on achète un livre de poésie et on se dit, bon, bah, c'est de la poésie, alors ça n'a pas à être justifié, c'est une espèce de truc en l'air comme ça, il y a peut-être des moments de sagesse, il y a peut-être des petits trucs à retenir, puis ça rime, il y a des jolies choses. Bon. Et ce contrat un peu vague autour de la poésie
me fit profond me déplaît. Et donc j'ai envie que la poésie se justifie autrement, donc de la contextualiser d'une certaine façon. Alors le roman, ça permet ça. Mon modèle, enfin, c'est pas mon modèle, mais disons mon idéal depuis toujours, que je n'essaierai jamais d'imiter, hein, mais exemple par excellence de ça, pour moi, c'est le livre de Dante qui s'appelle La Vita Nova, dans lequel il raconte sa vie de jeune homme, avant d'écrire la Divine Comédie, quand il a rencontré la fameuse Béatrice, qui était une femme réelle au départ, un petit peu. Et donc il raconte cette histoire, et il inclut dans le récit les poèmes qu'il écrivait à l'époque, en expliquant tout simplement pourquoi et comment il a écrit ces poèmes. Alors il dit, voilà, bon, à ce moment-là, j'ai voulu m'adresser à la jeune fille, je lui ai envoyé un poème qui disait ceci et cela, et il met le poème. Et ensuite, il analyse le poème en disant, vous voyez, il est construit comme ça, il y a deux strophes, etc. Et je trouve ce récit merveilleux parce que la poésie apparaît complètement justifiée. Elle est justifiée biographiquement, elle est justifiée par le commentaire, etc. Tout d'un coup, c'est plus quelque chose qui tombe du ciel comme ça, qui est censé s'auto-justifier. Donc, j'essaye dans les romans que j'écris, il n'y a pas toujours de poèmes, c'est pas systématique. Quelquefois, ça passe dans la poésie, mais de façon très contextualisée. Et puis, il y a aussi autre chose qui m'intéresse plus, et pourquoi j'écris plus de poésie, en réalité, comme ça, maintenant, depuis presque 10 ans, c'est que je m'intéresse de plus en plus à la parole, au langage parlé, et je me suis aperçu que pour écrire des dialogues, tels que j'avais envie d'en écrire, j'avais pas envie d'écrire des phrases normales avec des points, etc. J'avais envie d'écrire des jets de parole telle qu'elle est rythmée vraiment dans la parole vive, et comment montrer là où ça s'arrête, là où ça continue, là où ça insiste, là où ça flue, etc., et ben, en allant à la ligne. Ça marche très bien comme ça, je trouve. Et donc, ça finalement, ça ressemble à de la poésie, un petit peu. Mais c'est plus de la poésie, c'est de la parole. De la parole découpée, quoi. C'est une autre manière de justifier cette manière bizarre d'écrire. Bon, on ne va pas jusqu'au bout de la ligne. Alors, justement, tu as lu un texte qui s'intitule « Défense de la poésie ». Mm-hmm. Pourquoi la... Parce qu'aujourd'hui, le statut de la poésie, surtout en France, hein, il est quand même minoritaire, extrêmement minoritaire, face au marché littéraire des romans. Mm-hmm. Hein, en France, chaque année, il y a la rentrée littéraire, 500 nouveaux romans. Bon, c'est le roman, il y a une primauté du roman. La poésie... Et minoritaire, bon, elle a toujours été minoritaire finalement. Les grands poètes, enfin, les poètes comme Rimbaud, etc., écrivaient pour une minorité, pour 200, un petit cercle. Voilà. Mais oui, en fait. C'était encore pire, je pense, à l'époque de Mallarmé qu'aujourd'hui. Mais bon, il y avait des revues, mais les revues circulaient pour une poignée de personnes. Hein. Ça fonctionnait autour de l'édition de luxe, etc. Mais. Quel est aujourd'hui le statut du poète et pourquoi est-ce qu'il faudrait défendre la poésie? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la poésie? Je ne suis pas sûr qu'il faille défendre la poésie, en fait. Le titre du poème, là, c'est un peu ironique parce que c'est un titre classique, hein, que j'ai repris de... J'oublie maintenant. C'est un grand poète anglais, ça me revient. Mais le titre est un peu ironique parce qu'en fait, le poème, c'est un poème d'amour, en fait. C'est un poème qui s'adresse à quelqu'un et qui défend la poésie de façon presque anecdotique, quoi. Comme pour écrire une lettre d'amour ou pour faire un compliment à quelqu'un. C'est pas une défense vraiment théorique, quoi. Et de toute façon, la position défensive, elle est toujours perdante. Donc, quand on dit qu'il faut défendre la poésie contre les lois du marché, c'est qu'on a déjà perdu, on est déjà vaincu. Je pense pas qu'il faille la défendre. Et s'il faut défendre quelque chose, je ne pense pas que c'est la poésie tellement, mais ce qu'il faut affirmer, alors vraiment positivement, c'est des pratiques littéraires qui ne sont pas normées par le marché. Les pratiques littéraires ne sont pas normées par ce que doit être le roman, tel qu'il se vend à des milliers d'exemplaires, c'est-à-dire finalement une forme qui est morte depuis un siècle. Vous savez bien que les choses dans la culture... on peut continuer de pratiquer des choses sans se rendre compte que c'est mort très très longtemps avant. Hein. Comme des animaux, comme un poulet qui continue de courir sans la tête. Moi, je crois que le roman, fondamentalement, le roman classique, c'est ça. C'est une forme qui avait un vrai sens au XIXe siècle, c'est une forme bourgeoise, au fond. Et ce qui s'est passé aujourd'hui
depuis un siècle. Tout ce qui est intéressant, ça n'est pas le roman classique. C'est Faulkner, c'est Joyce, c'est Beckett. Aucun de ces auteurs n'écrivait des romans au sens où on en consomme aujourd'hui. Donc il faut voir ça. Donc ce qu'il faut défendre, c'est tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas la forme conventionnelle d'écriture. Donc maintenant, en France, je ne sais pas comment c'est ici, mais on appelle poésie vaguement plein de choses qui ne sont pas en vers, qui sont simplement autre chose, qui ont d'autres formes. Alors on peut appeler ça, maintenant en France, la mode c'est plutôt de dire experimental writing, avant-garde writing. Mais quel que soit le nom qu'on choisit, ça ne désigne pas un type de chose, ça désigne juste tout ce qui n'est pas la norme. Voilà. Tout ce qui s'écarte, disons, de la norme. Voilà. C'est comme dans le cinéma, tous les films qui ne sont pas des scénarios hollywoodiens d'une heure et demie, psychologiques, avec toujours les mêmes histoires. On appelle ça cinéma expérimental. Mais c'est mille choses différentes, en fait. C'est plein de formes possibles. Donc c'est pas la poésie comme monolithique, ça joue. Je suis pas sûr que ça vaille la peine de la défendre. D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de poètes qu'on appelle poètes, oui, mais qui n'aiment pas trop le terme de poète, parce que ça fait un peu gnangnan. Exactement, parce que quand on dit poète, on imagine toujours quelqu'un avec la mèche plus blanche et qui écrit inspiré. Et qui va déclamer son poème. Ah, ça fait un peu honte, hein, c'est vrai. Mais alors ce modèle du poète, il existe quand même aux États-Unis dans le poète laureate. Il y a encore des poètes laureates aux États-Unis qui ont des barbes et qui sont un peu des barbes. Oui, qui sont, je ne sais pas, à Webster. Oui, mais il y a beaucoup de poètes. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'appellent poètes, plus aux États-Unis peut-être avec moins de gêne qu'en Europe, qui se revendiquent poètes et qui sont des performeurs, des sound poètes. Des poètes qui improvisent, des poètes qui font des poèmes visuels, donc toutes sortes de pratiques en fait très différentes les unes des autres peuvent être vaguement regroupées sous ce terme. Quoi. Mais effectivement, tous les poètes que j'ai rencontrés, les jeunes poètes en France que j'ai rencontrés quand j'étais au centre d'études poétiques à Lyon, ce sont généralement des jeunes gens qui expérimentent, qui utilisent, comme Christophe Anna, qui utilisent des logiciels, etc., et qui n'ont plus rien à faire avec la rime, avec l'expression de ses tournants. Effectivement, les poètes aujourd'hui en France qui sont importants, ce sont des gens qui expérimentent. Donc aujourd'hui, la littérature expérimentale, c'est l'autre nom de la poésie. Tout à fait. Voilà des nouvelles de France. Pas d'autres questions? Je suis intéressée en fait par la traduction que vous avez eue de poème en anglais. Mm-hmm. Donc c'est un traducteur extérieur qui a fait. Une traductrice. Et donc là, je voulais connaître peut-être votre relation à la traduction. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec cette personne? Est-ce que c'est un forme de poésie? Oui, en fait, presque toujours, j'ai travaillé en collaboration assez étroite avec les traducteurs ou traductrices. Il y en a jusqu'à maintenant pour l'anglais, il y en a eu trois. Et à chaque fois, c'est de très très nombreuses heures de discussion. En fait. Alors c'est pas que je veuille contrôler ce qu'elles font du tout, ce qu'ils font. Hein. C'est eux ou elles qui ont des questions, tout simplement. Parce que très souvent, les expressions sont ambiguës, il y a beaucoup de choses idiomatiques, il y a beaucoup de choses parlées, il y a beaucoup de références à la vie quotidienne française qui ne sont pas forcément claires. Donc j'ai passé beaucoup de temps. Alors la particularité de cette traductrice-là, c'est qu'elle est anglaise. Donc peut-être que ça s'entend, je ne sais pas, mais c'est la première fois que c'est une anglaise, pas une américaine ou un américain qui traduit. Le précédent, c'était américain. Mais moi, ça m'intéresse, en fait. En fait, j'aime bien ça. Parce que c'est pas tellement de travailler sur mes propres textes, ça ne m'intéresse pas spécialement. Hein. Mais c'est que ça élargit le texte, ça le transforme en autre chose. Ça fait apparaître des possibilités auxquelles je n'aurais pas pensé. Le simple fait d'entendre une autre langue et de voir que ça peut passer, que quelque chose peut passer, c'est très très gratifiant. Mais ma technique a toujours été, parce que moi j'ai fait beaucoup de traductions aussi, j'ai beaucoup fait ça, et j'en ai fait souvent collectivement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée, c'est la réalité d'ailleurs, qu'on fait un autre poème. On fait un autre poème, il ne s'agit pas de faire passer quelque chose, quand on dit faire passer, on a l'impression vraiment qu'il faut tirer quelque chose qui passe à travers dans une autre langue. Ça ne se passe pas comme ça. En réalité, il y a une frontière infranchissable
et de chaque côté de cette frontière, il y a deux personnes, trois ou plusieurs, qui font des choses différentes en se regardant un petit peu comme on danserait ensemble, quoi. Mais c'est un autre poème. Enfin, si c'est réussi. Si c'est réussi, c'est un autre poème. On a discuté beaucoup de ça à New York où j'étais la semaine dernière. Il y a eu un colloque sur la traduction de la poésie française aux États-Unis. Et une autre poétesse que j'aime beaucoup, donc je suis très proche française, qui s'appelle Anne Portugal, racontait une histoire très, je trouve, juste là-dessus. Elle a beaucoup traduit, elle aussi, des poètes américains, notamment une poétesse américaine que nous aimions beaucoup et qui malheureusement est morte très jeune, qui s'appelle Stacy Doris. Et quand elle traduisait Stacy, elle comprenait très mal les textes. Elle était très perplexe sur ce que c'était que ces textes, ce que ça voulait dire, etc. Et à chaque fois qu'elle essayait quelque chose, elle lui demandait son avis, un peu avec crainte, hein, et on lui disait alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est ça? Et systématiquement, Stacy lui répondait, it's not that at all, not at all, but it's better. So, continue. C'est une belle idée de la traduction. Oui. Monsieur, vous avez une très belle voix. Est-ce que vous avez jamais pensé à enregistrer vos poèmes sur les audiobooks, sur les audiolivres? Je ne l'ai jamais fait pour la poésie comme telle, oui. C'est vrai, mais j'ai fait des poèmes sonores qui sont faits pour être lus, donc j'ai utilisé ma voix pour ça, effectivement. Mais à vrai dire, le plus long texte sonore, il est, tout ça est sur ce site en fait. C'est des choses qui sont difficilement publiables parce que c'est, voilà, c'est du son. Le même site qu'il y a ça. Alors le plus long que j'ai fait, qui durait une vingtaine de minutes, c'était une espèce de fiction en vers. Et j'ai pensé travailler avec des acteurs, mais j'y arrivais pas, c'était trop compliqué. Donc j'ai utilisé ma propre voix, mais du coup je l'ai maquillé ma voix. C'est-à-dire qu'avec ma voix, j'ai fait trois voix différentes. Je l'ai dépitché. Alors ça faisait des... Il y avait une voix de petite fille qui disait... Puis il y avait une voix de comme ça, mais c'était ma propre voix, donc ça m'amusait de jouer avec ça. Et puis récemment, j'ai fait du... Oui, il y en a plein des poèmes sonores. J'ai fait du théâtre, en fait. Enfin, pas du théâtre, mais une espèce de théâtre avec une chorégraphe. Alors d'abord, elle m'a demandé d'écrire une pièce pour elle, ce que j'ai fait il y a deux ans, il y a un an et demi. Et puis ensuite, elle m'a proposé de faire un duo avec elle. Donc pour la première fois, j'ai fait l'acteur. C'était très amusant. J'avais très très peur, mais finalement, c'était amusant. Il y a beaucoup d'enregistrements, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde enregistre tout le temps. Donc, il y a finalement pas mal d'enregistrements. Ça me gênait au début, mais maintenant, ça, je m'y suis fait, et je travaille même un peu, quelquefois, le son. Parce que ça met de la vie dans les poèmes. Lire, oui. Sur la page, bon, moi, j'y contribue, j'y mets ce que je peux. Mais vous, à haute voix, j'ai dit, c'est bon, c'est autre chose. Ben j'ai changé pour ça. Au début, je n'aimais pas ça du tout. Je n'aimais pas du tout lire. Et petit à petit, ça m'a de plus en plus intéressé de le faire. Mais souvent, c'est un peu plus que des lectures. J'aime bien qu'on soit plusieurs, oui. À ce moment-là. Oui. Faire quelque chose avec un musicien, ou avec un acteur, ou avec une image. Je me posais la question par rapport à votre titre, Sentimental Journée. Oui. Si c'était en fait, on parlait de coupure, si c'était le résultat d'une coupure, d'un rejet, si c'était deux vers et en fait la fin d'un vers et le début d'un autre vers, est-ce que c'est ça? Non, c'est simplement la traduction littérale et fautive, hein, de Sentimental Journey, qui est un titre, à la fois un titre de chanson et puis c'est un roman de Laurence Sterne aussi. A Sentimental Journey, c'est une expression. Et alors évidemment, quand on traduit littéralement, c'est une fausse traduction, puisque journée, c'est pas journey. Et voilà. Comme c'est un livre dans lequel beaucoup de poèmes concernent la journée, justement. Quelque chose qui se passe dans une journée, le passage du jour à la nuit. C'est pour ça qu'en anglais, finalement, c'est devenu night and day. Il y a beaucoup de choses qui concernent ça, le cycle quotidien, finalement, le cycle de la journée. Et puis le mot sentimental aussi m'intéresse. Parce que le sentimental, c'était a priori ce qui était interdit dans la poésie moderne, hein, contemporaine. En plus, moi, je viens d'une tradition en France qui a beaucoup lu les objectivistes américains. Hein, les poètes objectivistes, les poètes vraiment modernistes, qui rejetaient, à juste titre, le pathos sentimental, etc. Donc, a priori, il faut être tout sauf sentimental. C'est une insulte, sentimentale. Mais, finalement, il y a quand même une autre manière d'intégrer quelque chose comme un sentiment, qui n'est pas subjective et lyrique. Et puis je me suis amusé avec le mot en disant, bah, dans le poème que j'ai lu, quoi, on peut entendre senti mental aussi.
quelque chose qui est à la fois de l'ordre sensitif, de la sensation, et intellectuel, et retravaillé par... Quelque chose qui n'est pas dit, si on peut associer ça au silence. Oui, absolument. Que le sentiment n'est pas... Quelque chose qu'on a du mal à dire, ou qui est difficile à dire. Et qui suppose un travail, quoi. Comme on dit, comme la peinture, selon Vinci, c'est une cosa mentale. Donc c'est une chose intellectuelle aussi, pas seulement... il ne suffit pas d'éprouver de l'amour, par exemple, pour que ce soit intéressant. C'est vrai que le mot sentimental, je me souviens dans le petit milieu de la poésie contemporaine, hein, oui, dans les années 90, c'est une insulte. Oui, oui. C'est vraiment quelqu'un qui fait de la poésie sentimentale, c'est vraiment... Puisque l'idée, c'était donc la poésie sérieuse, et l'idée, c'est aussi d'exprimer le réel. Oui, hein, c'est ça. Le réel, pas de subjectivité. Mais pas la subjectivité. Absolument. Donc dire dans un titre « Sentimental journée », c'est de suite se mettre en réaction. Absolument. Alors, vous parlez, voilà, donc dans votre poème, Une défense de la poésie, justement, c'est quand même un poème très lyrique. Mm-hmm. Vous dites, tu as troublé le vieux jeu de l'âme et du paysage, l'air que tu déplaces en marchant, renflé une figure de carte d'ici. Mm-hmm. Alors, quel est votre... Voilà, il y a beaucoup d'images, donc journée... Mm-hmm. Voilà, le paysage, les cartes. Alors, oui. Quelle est votre relation à l'espace? Enfin, vous parlez de la coupure. Enfin, c'est oui, une oui. énorme question, mais... Oui, oui. Bah, au départ, c'est une chose très, très, très concrète, enfin, très triviale. C'est que la poésie pouvait me servir à traverser la journée, tout simplement. Enfin, c'est-à-dire à faire qu'il y ait quelque chose à dire dans un quotidien absolument banal. Donc, alors si on passe une journée banale, complètement ordinaire, a priori c'est insignifiant, c'est ennuyeux, c'est l'éternulité quotidienne, comme disait Laforgue, quoi, c'est rien. Du coup, le rapport âme-paysage des romantiques, c'est l'idée romantique, hein, le paysage écho de l'âme, l'âme se reconnaît, se voit dans le paysage, devient complètement dérisoire. Si vous êtes dans un quartier d'une grande ville, vous n'allez pas faire Caspar David Friedrich, vous n'allez pas regarder le paysage. Donc il y a quelque chose de complètement aplati, complètement retombé, désenchanté. Et c'est un peu l'idée des cartes aplaties aussi, finalement. Parce que, a priori, il n'y a rien qui soulève, il n'y a pas d'élan lyrique, il n'y a pas de... pas de raison. Et donc l'idée, enfin dans ce poème en tout cas un peu dérisoire ou un peu ironique peut-être, c'est que s'adresser à quelqu'un, vouloir parler à quelqu'un ou quelqu'un dont on est amoureux plutôt, peut donner du relief, voilà, tout simplement, peut redonner du relief à quelque chose qui n'en a pas du tout. Donc c'est pas l'idée regonflée des cartes, c'est un peu comme si on vivait comme dans Alice au pays merveilleux, on vit dans un monde où même les gens sont sans épaisseur, sont des espèces de cartes à jouer purement superficielles, et puis quelque chose peut, comme on souffle dans un ballon, à un moment redonner du relief, quoi. Et l'amour, c'est une illusion qui peut fonctionner comme ça, il me semble. Quand on est amoureux, le quotidien devient tout d'un coup attirant. Bon, il y a une espèce de, je sais pas, on est soulevé, quelque chose, on peut avoir l'impression de même de marcher un peu sur l'air, quoi. Et c'est tout simplement ce sentiment-là. C'est très naïf, en fait, hein, cette affaire. Oui, comme autant c'est... Enfin, il est inexplicable d'être amoureux ou d'aimer la personne qui dit « De quoi parlait le téléfilm hier soir ?» Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est à la fois quelque chose de très, très, très trivial, et il peut y avoir quand même une... je sais pas quoi... un élan, quoi. Un souffle, quelque chose qui donne envie de vivre, tout simplement, quelque chose qui pousse, qui anime. Et je pense que c'est peut-être ce que vous vouliez faire dans votre film. Je me trompe peut-être parce que on a cette routine justement avec Oui. À la fin, je vais admettre que j'écoutais plus en fait, parce oui, que oui. j'avais d'autres émotions par rapport au visuel en fait. Ah oui. Donc ça, j'avais c'est vraiment, fait, donc, c'est juste une histoire banale qui se passe. Mais il y a d'autres émotions qui en émergent, en fait. Absolument. Ouais. Oui. Et moi, j'aime bien ce côté de surcharge
overload qu'on a quand on a une voix, un texte sur des images. Parce qu'en réalité, il est impossible de vraiment regarder et de vraiment lire en même temps, de vraiment écouter. On est obligé de choisir, et puis à certains moments, on regarde des images, on n'entend plus, ou on écoute et on ne voit plus. Et ça, j'aime bien ça. Ça ne me gêne pas du tout qu'on manque des parties du texte. Mm-hmm. Parce qu'il y a des parties qui sont presque interchangeables. D'ailleurs, moi, je me suis trompé, j'ai coupé à un moment. Ce texte, je l'ai remonté 10 fois, je l'ai fait plus long, plus court, j'ai enlevé, j'ai rajouté. Et donc, l'idée, c'est plutôt qu'il y a 2 lignes, et puis elles se rencontrent, mais pas toujours. Et puis on passe de l'une à l'autre, et on peut un peu comme ça naviguer entre les deux. Donc c'est... Vous avez bien fait. On va s'obliger à essayer de tout suivre, parce que de toute façon on ne peut pas. Chaque expérience est différente, effectivement. Voilà, et ça fait aussi voilà, une certaine richesse possible, c'est qu'effectivement on peut regarder et entendre ça plusieurs fois et le faire de façon différente. Et puis dans la performance, il y a toujours des accidents, le micro ne marche pas, ça oblige à changer, voilà, ça c'est live. C'est live, voilà. Et en fait, tous ces films, là, maintenant, ils sont édités, hein, ils sont sur, enfin, pas tous, non, celui-là, mais pas, justement, enfin, beaucoup d'autres ont été sur 2 DVD. Mais en fait, sur ces DVD, on a fixé la forme à un moment donné, mais cette forme n'était pas fixe avant. C'est-à-dire qu'à chaque représentation que j'ai faite avec le musicien, on changeait. On remontait les images, on rajoutait des trucs. Le musicien avec qui je travaille, il fait beaucoup d'autres choses. Donc, entre chaque représentation, on en fait de temps en temps, 2 ou 3 fois par an, il oublie tout. Il perd ses sons, et donc il refait son travail. Et moi aussi, je change. Donc, j'aime bien le côté mobile, souple, quoi, de cette forme. Bien, je vous remercie. Et on remercie Pierre, Pierre.